Bonjour et bienvenue dans Service Première. J'avais promis de vous amener en Chine aujourd'hui. On va le faire avec Gilles Néplaz, qui est professeur en médecine traditionnelle chinoise. Bonjour Gilles. Bonjour Jimmy. Merci d'être là. Vous allez nous parler aujourd'hui de ces techniques de la Chine ancienne qui peuvent être bénéfiques pour notre santé. On va en parler avec vous. Tout à fait. On a reçu quelques questions. Celle de Simon, qui voulait savoir la différence entre l'acupression et l'acupuncture. On va lui expliquer ça tout à l'heure. Et puis Frédéric également, qui nous dit, peut-on quand même pratiquer l'acupression si on n'est pas malade à titre préventif? Avant d'aborder les techniques en elle-même, on va parler de la Chine. En Chine, ils ont un rapport un petit peu particulier et différent du mode occidental par rapport à tout ce qui est médecine et santé. Tout à fait, Jimmy. Alors, la médecine traditionnelle chinoise est un peu différente de la médecine occidentale. On ne voit pas les maladies de la même façon, les pathologies de la même façon. On ne donne pas des noms appropriés à certaines maladies. Mais par contre, on voit, on cherche où se trouvent les énergies bloquées et les fluides. En Chine, on dit, si les énergies et les fluides fonctionnent et circulent librement dans le corps, la personne est en bonne santé. Si les énergies et les fluides sont bloqués, la personne tombe malade. Et nous, on a tendance en plus à un petit peu dissocier, un petit peu trop facilement d'ailleurs. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un lien entre le psychisme et le corps en fait. Alors que c'est un équilibre en fait de ces Tout deux à fait. Entités. Tout à fait. Alors en fait, il y a trois façons d'accéder au corps pour amener bien-être ou de la guérison. Il y a le shen qui parle plutôt de l'esprit, de la conscience. Il y a aussi le qi qui parle de l'énergie. Et il y a le jing qui parle de la matière, la chair, les os. Où là, on va voir un médecin traditionnel. Ou d'un bras cassé, un kyste ou quelque chose comme ça. Alors si vous ne comprenez rien, c'est un petit peu normal, on va vous expliquer tout ça au cours de cette émission, rassurez-vous. Donc on s'intéresse à ces techniques chinoises de la Chine ancienne, ça remonte à il y a combien d'années ces techniques-là? Alors on parle de 5 à 6 000 ans, certains parlent de plus de 10 000 ans, donc vous comprenez bien que ce sont des techniques qui existaient alors qu'il n'y avait pas d'hôpitaux, il fallait trouver des façons pour se soigner et ce sont des techniques qui sont absolument, absolument simples mais aussi très efficaces. En Chine on dit « dadao jiujian » qui veut dire « le plus grand chemin est souvent le plus simple ». Est-ce que ces techniques-là sont encore appliquées dans une Chine moderne qui est très technologique, beaucoup plus que chez nous d'ailleurs? Oui, eh ben, en fait, lorsqu'on va en Chine, on a le choix. Hein. Vous arrivez dans un hôpital, la majorité des hôpitaux, on a le choix entre prendre un traitement médecine occidentale, un traitement de médecine traditionnelle chinoise ou les deux, puisqu'on peut aussi avoir une opération à cœur ouvert, sans anesthésie, avec juste de l'acupuncture pour pouvoir anesthésier le corps et donc on n'a pas tous les effets secondaires de l'anesthésie, etc. Alors ça, j'ai vu cette vidéo, c'était carrément impressionnant. Au début, j'ai cru que c'était une fausse vidéo et en fait, non, ça a été confirmé. Donc en Chine, une dame, je vous explique, hein, si vous ne l'avez pas vu, une dame qui s'est fait opérer simplement en utilisant l'acupuncture à la place de l'anesthésiant. Donc elle a les yeux ouverts, elle est éveillée, quelqu'un lui parle pendant l'opération et donc elle n'a pas les 2-3 jours de réadaptation après, elle n'a pas les effets secondaires l'anesthésien et aussi donc pour les coûts sont moindres pour les hôpitaux puisque le patient peut rentrer chez lui plus rapidement. Alors avant de parler de ces techniques, on va être quand même bien clair, il ne s'agit pas de remplacer la médecine chez nous, hein. Bien évidemment c'est plutôt complémentaire, il ne s'agit pas de dire arrêtez de prendre vos médicaments, allez pratiquer de la médecine traditionnelle chinoise, non pas du tout. Là on parle de techniques qui dans certains cas peuvent nous aider en complément ou peut-être même quand ça ne marche pas, essayer pourquoi pas ces techniques qui peuvent être efficaces et l'efficacité a été prouvée avec les années en Chine mais aussi un petit peu partout, au Canada notamment où on pratique énormément ces techniques-là. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est très important ce que tu viens de dire, si quelqu'un est malade, allez voir votre médecin, faites votre diagnostic, allez voir les recommandations. Effectivement, c'est une technique qu'on peut utiliser de façon complémentaire ou après, comme on le souhaite, mais la première étape est d'aller voir son médecin. Bien évidemment. Alors, on va s'intéresser à l'acupression pour commencer. Qu'est-ce que l'acupression et comment ça fonctionne exactement? Ok. Alors, l'acupression, c'est un peu l'ancêtre de l'acupuncture. Lorsqu'on a commencé, il y a des milliers d'années, alors, on va aller très très loin parce qu'on a retrouvé quelqu'un qui était dans de la glace, qui date de milliers d'années, et il avait le méridien de la vésicule biliaire tatoué sur sa jambe. Alors là, on s'est dit, ça date de beaucoup plus longtemps qu'il y a 5000 ans. Okay? Alors, avant qu'on utilise des aiguilles, comme on le connaît maintenant en acupuncture, on utilisait des points de pression.
Parce qu'en fait, le camp est un petit peu comme une ville. Il y a des, dans une ville, on a des routes nationales, on a des autoroutes, des petites ruelles, et le corps est fait de chemins énergétiques comme ça. Lorsque le matin, on va au travail, il y a un embouteillage, on sent la tension, les gens qui ne sont pas contents. Dans le corps, c'est pareil. Lorsque les énergies sont bloquées, à ce moment-là, on commence à avoir des inflammations, des douleurs, etc. Donc le but est de comprendre où les énergies sont bloquées, pourquoi, et puis débloquer ces énergies. Alors, c'est bien de parler de ces énergies, hein, justement, parce que ça c'est un des éléments, justement, de la médecine traditionnelle chinoise, tout ce qui va être énergie, en fait. Est-ce que, on avait cette question, est-ce que, quand on n'est pas malade, quand ces énergies-là ne sont pas bloquées du tout, est-ce qu'on peut quand même pratiquer l'acupression? C'est-à-dire, si on n'a pas de problème de santé particulier, est-ce que ça ne pose pas de problème de faciliter le passage de ces énergies? Oui, tout à fait. On peut le faire à titre préventif. Tout à fait. Et puis, là, comme je vous ai dit au départ, il y a trois façons d'acupression. Accéder au corps, le shen, le qi et le jing. Alors, on peut, lorsque certaines personnes se retrouvent avec un kyste, par exemple, elles vont voir un médecin qui va utiliser des scanners, des machines qui vont détecter ce kyste et puis après faire les traitements appropriés. Mais il faut savoir que 6 mois à 1 an avant que le kyste soit apparaisse dans la chair, il est déjà présent sous ce terme d'énergie stagnante. Lorsque l'énergie stagne depuis un moment, à ce moment-là, elle crée de la matière. D'accord. Donc c'est important de travailler sous façon préventive, surtout qu'après on a moins le stress parce qu'on n'est pas sous le joug de la maladie, etc., de façon préventive pour pouvoir aider les énergies à fonctionner. Je donne juste un exemple. J'ai fait une formation dernièrement pour des athlètes où je leur montrais comment ils pouvaient améliorer leur flexibilité, les gens qui font du yoga, etc., avant l'effort en appuyant simplement pendant quelques secondes sur un des points. Et c'est quand même impressionnant. Comment est-ce qu'on va aller trouver ces points-là, justement? Il y a une carte Voilà. Alors, il y a une carte qui est assez complexe du corps humain, qui comporte plus de 3600 points d'acupuncture, et donc d'acupression, d'acupuncture, donc qui est assez complexe. Alors, moi, j'ai un peu digéré cette information et rendu ça très simple pour que, justement, le monsieur lambda ou madame lambda puisse utiliser ces points de pression de façon très facile pour améliorer son bien-être. Quels sont quelques-uns des troubles qu'on pourrait soigner avec l'acupression? Alors, la première chose que je recommande, c'est un point qui s'appelle Hegu, qui se retrouve au niveau de la main, et en fait qui aide à réduire les douleurs d'un point de vue général, mais aussi localisé sur le visage et le cou. Et là, en fait, vous voyez qu'en quelques secondes, tous mes élèves de par le monde, en Martinique, en Dominique, aux États-Unis, au Canada, ont des résultats assez exceptionnels en quelques secondes. Ouais. Eux-mêmes, même s'ils n'y croyaient pas trop, ils essayent un peu sceptiques. J'avais posé la question, justement, au bout de combien de séances est-ce qu'on peut ressentir des bienfaits? Alors, tout va dépendre aussi depuis combien de temps la personne souffre, depuis combien de temps les énergies sont bloquées. Des fois, il va falloir plus de temps, mais souvent, ça peut être assez radical. Alors, bien sûr, il n'y a rien qui est à 100%. Aucun médecin, aucun thérapeute ne peut dire 100% de mes patients ou de mes clients sont super et par-delà en marchant sur un nuage. Par contre, ça arrive régulièrement, je n'appuie même pas sur le point, j'enseigne dans la salle. Je vais vous donner un exemple. Dimanche dernier, il y a quelqu'un qui avait mal au dos depuis 30 ans. Et donc j'explique les points, je montre à tout le monde et je dis pratiquer pendant que je montre aux autres. Et là, au bout de quelques minutes, elle se lève, elle dit « Mais c'est pas possible, mais attends, mais j'ai plus mal au dos, qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis « Regarde, j'ai même pas touché, c'est toi qui as fait toi-même. » Est-ce que l'apprentissage pour les gens, parce que vous parliez d'atelier tout à l'heure, on vous enseignait justement ces points d'acupression, est-ce que c'est un apprentissage qui est long ou est-ce qu'on peut apprendre relativement facilement au point de pouvoir le faire soi-même, par exemple? Alors, la médecine traditionnelle chinoise a plusieurs volets. Alors, il faut savoir que l'acupression, c'est quand même assez simple si on parle des points de base. Mm-hmm. Si vraiment on veut se spécialiser, ça devient très complexe. En acupuncture, on a des tonnes de livres comme ça. Il faut vraiment comprendre et être très, très précis. En acupression, on n'a pas besoin d'une précision aussi importante. Et on peut avoir avec des points clés. Si on connaît les points majeurs, on peut aider des problèmes de digestion, réduire des douleurs, aider avec les épaules bloquées, comme vous avez vu dans beaucoup de vidéos que j'ai sur l'internet, des genoux qui fonctionnent mal, etc., etc. Alors moi, je me rappelle des films de karaté, des mangas, où là, on disait, voilà, quand on appuie sur un point d'énergie vitale, on pouvait terrasser l'ennemi et compagnie. Est-ce qu'il n'y a pas de risque, là, c'était un petit peu exagéré, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque si on se plante, si on se trompe sur
dans un point ou qu'on appuie Alors, c'est une très bonne question parce que sur le net, je vois plein de vidéos d'acupression, mais il faut faire attention. Il faut aller voir un professeur qui s'y connaît parce qu'il y a des points qui sont à proscrire, par exemple, pour les femmes enceintes. Mmh. Un point, le point qui réduit les douleurs en général et aussi un point qui déclenche un accouchement. Tu ne veux pas non plus aider ton ami qui a mal de tête et puis déclencher un accouchement à 3 mois parce que tu ne connaissais pas le point. Donc, par exemple, je dis à tous mes élèves, si vous ne connaissez pas la liste des points à interdire pour les femmes enceintes, ne faites pas d'acupression sur les femmes enceintes. Par exemple, utilisez deux techniques chinoises. Je sais que vous étiez à la Dominique il n'y a pas longtemps, justement, hein, juste après les cyclones, en fait. Mm-hmm. Une population qui était un petit peu, on l'a vu, isolée, donc pas d'accès aux hôpitaux, pas d'accès forcément aux pharmacies, aux médicaments pour certaines populations. Vous avez pu les aider en pratiquant l'acupression, par exemple ? Oui. En fait, donc mon premier voyage était en octobre dernier, juste après le cyclone Maria, où l'île de la Dominique, on le sait, a été dévastée. Beaucoup de personnes n'avaient pas accès à des soins médicaux, n'avaient pas accès à de l'eau potable, etc. Donc je suis arrivé, c'est mon troisième voyage cette fois-ci en Dominique, j'ai deux volets. Le premier volet est d'apporter des équipements, c'est pour avoir de l'eau potable, pour avoir des lampes solaires, etc. Et le deuxième volet, c'est d'enseigner ces techniques simples qui peuvent aider à réduire les douleurs et aussi d'offrir des soins et des séances pour aider à réduire les soucis. Et effectivement, comme vous voyez sur beaucoup, beaucoup de vidéos, il y a des résultats assez exceptionnel. D'autant plus qu'il y a une douleur physique, mais aussi une souffrance psychologique aussi par rapport aux intempéries, au fait d'avoir perdu sa maison. Et c'est vrai que le fait d'avoir une médecine qui associe et le psychisme et le corps peut aussi être bénéfique, plutôt que de traiter absolument. Le mal. Absolument. Il faut savoir, en médecine traditionnelle chinoise, que les 5 émotions majeures sont liées aux 5 organes majeurs. Par exemple, la colère affecte le foie, affecte les yeux, les ongles, les tendons. Par exemple, la tristesse affecte les poumons, le gros intestin, la peau, le nez bloqué, etc. Donc, par exemple, je suis allé dans des villages comme à Dublin, dans le nord de la Dominique, où tout le monde avait, les 3/4 avaient des épaules bloquées. Alors, j'étais dernièrement sur le territoire Kalinago, là, c'est l'inverse, tout le monde avait les genoux bloqués et avait des problèmes aux genoux. Donc, c'est bien pour moi, ça me permet de pratiquer aussi, et ça permet aussi de montrer à tous mes élèves dans le monde que ce que j'enseigne, ce n'est pas de la théorie, mais on peut appliquer rapidement, et vous voyez, mes vidéos font moins de 10 minutes, rapidement, on peut avoir des résultats assez impressionnants. On va parler très rapidement, hein, parce que c'était tellement passionnant de parler de l'acupression, on va parler très rapidement du Qigong, je ne sais pas si je prononce Qigong, bien, oui. Le Qigong. Le Qigong, et en fait, c'est comme de la gymnastique chinoise, un petit peu comme le Tai Chi. Okay, mais plus basé sur l'intérieur du corps et la cultivation de l'énergie à l'intérieur. Donc, il y a deux facettes dans le Qigong, il y a une partie qui est Yang, qui est avec des mouvements, et une partie qui est yin, avec de la méditation. La prochaine fois que vous viendrez, il faudra venir nous parler plus spécifiquement du Qigong. Et puis, les sons et les vibrations sont aussi visiblement importants dans cette médecine traditionnelle chinoise. Oui, alors ça remonte encore plus loin dans la Chine ancienne, et c'est absolument fabuleux. Il faut savoir que les 10 premiers chiffres en mandarin vibrent avec 10 parties dans le corps, et peuvent aider à retirer certaines pathologies, ou vraiment à diminuer les inconforts. Par exemple, moi, ça fait déjà peut-être 4-5 ans que je n'ai pas attrapé la grippe. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'ai commencé à avoir les symptômes, je fais les sons et les vibrations et tout de suite, le corps commence à réagir et les résultats sont fabuleux. On le voit, ça fonctionne sur les plantes, les vibrations, les sons. Et ça, c'est scientifique. On ne parle pas de théorie, c'est vraiment scientifique. On s'est rendu compte que les vibrations avaient un effet sur les plantes, qui poussaient mieux, que certains agriculteurs utilisaient des cultivateurs de fleurs utilisaient moins d'engrais parce que justement, en mettant de la musique classique ou des musiques douces, ils se rendaient compte que les plantes vivaient mieux, grandissaient mieux. Ça fonctionnerait aussi, visiblement. Ouais. Bon, à une échelle peut-être moindre, parce qu'on est un petit peu, nous, les humains, peut-être différents, et on fait moins attention au niveau du cerveau à ces choses-là. On est moins sensitif, peut-être, que les plantes, mais ça pourrait aussi avoir un effet. Oui, alors il faut savoir aussi que le docteur Emoto, qui est scientifique japonais, lui analyse la mémoire de l'eau et les fréquences qui affectent l'eau. Donc, en gros, il dit un mot « je t'aime » sur un verre d'eau, il congèle l'eau et analyse au microscope. Après, il dit des mots négatifs et il fait la même chose. Et ils ont vu qu'en fait, ça change complètement la fréquence de l'eau. Il faut savoir qu'on est fait de 75% d'eau. Donc, lorsque vous changez les fréquences, en fait, vous changez tout l'intérieur. Okay, c'est ce qu'on appelle la connexion avec le Dadao en Chine, c'est-à-dire le grand univers, et le Xiaodao, qui est l'univers à l'intérieur. Alors ça, c'est... En France, on a
encore un fonctionnement qui est différent. Mais en Allemagne, je sais par exemple que ces techniques sont remboursées, notamment par la sécurité, l'équivalent de la sécurité sociale en Allemagne, parce qu'ils ont reconnu les bienfaits de ces méthodes de la Chine oui, traditionnelle. Au Canada aussi. Hein. Au Canada aussi. Ça va arriver de plus en plus dans le monde parce que beaucoup de gens souffrent, de plus en plus de personnes souffrent et ne trouvent pas de solution. Alors, c'est important de garder l'espoir d'aller faire l'expérience un peu partout. L'avantage, c'est que je vis à Toronto, plus de 180 nationalités différentes, donc j'ai accès à plein de techniques différentes. Et ici, on a un peu moins accès. C'est pour ça que je fais l'aller-retour pour transmettre ces techniques ici. Bah, la prochaine fois que vous viendrez nous voir. Comme ça, on parlera, on s'intéressera plus particulièrement au Qigong. Voilà, c'est bon, ça j'ai bien prononcé. Qigong. La prochaine fois, on en parlera un petit peu plus. Moi, j'étais très sceptique hein, sur ces techniques, notamment l'acupression et compagnie. Enfin, j'y croyais pas du tout. J'ai essayé parce que j'ai un problème d'acouphène et ça a marché. Donc, voilà. Alors ça faisait un petit moment que je prenais des médicaments et du coup je me suis dit ça a peut-être un intérêt dans certains cas pour pouvoir soulager des choses quand on n'a pas réussi avec les médicaments. En tout cas ça mérite de s'y intéresser un petit peu plus et de jeter un œil. C'est vrai que c'est des techniques totalement différentes et des visions totalement différentes de ce que nous on a appris et de ce que nous on pratique en Occident. Exactement, il y a plein de choses qui existent dans le monde qu'on ne connaît pas et qui sont extrêmement efficaces. Il faut savoir qu'il faut rester ouvert, rappelez-vous, Dadao Jujian, le grand chemin est souvent le plus simple. Donc ce n'est pas toujours chercher des techniques complexes, etc. Les chemins simples peuvent arriver à des résultats. Merci en tout cas d'être venu nous partager un petit peu de ce savoir asiatique et particulièrement chinois, monsieur Népla. Bien évidemment, on pourrait retrouver plus d'infos sur tout ce qui est acupression, Qigong et son et vibration sur notre page Facebook.